Tiens, voilà Agathe. Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va, faites pas cette tête, c'est pas grave. Je me suis cassé la jambe au match de volley hier. J'en ai pour plusieurs semaines. Oh, c'est nul. Tu vas rester handicapé tout ce temps? Tu peux plus courir, tu peux plus sauter, tu peux plus... Sympa, Arthur. Ça me remonte le moral. Pardon, Agathe. Mais c'est un peu comme si tu avais un handicap. Rien que pour te déplacer ou monter les marches, c'est compliqué. Et je te raconte pas quand ça me gratte. Tu vas devoir t'adapter et changer un peu tes habitudes. Ça va te gêner quelques semaines. D'ailleurs, vous avez remarqué, des installations existent pour faciliter le déplacement des personnes handicapées. Il faut toujours faire attention aux gens qui nous entourent pour leur venir en aide s'ils en ont besoin. Vite! On va vraiment être en retard! Hé! Attendez-moi! Oups! J'avais déjà oublié. Notre école n'est vraiment pas adaptée. Il y a trop de marches et pas assez de place. Je me fais bousculer par les autres qui ne voient pas que j'ai des béquilles. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout cela lorsqu'on a toutes ces facultés. Toutes ces quoi? Ces facultés. C'est quand tu as toutes tes capacités à faire quelque chose, comme voir, réfléchir ou courir. Tu sais, il y a des handicaps qui se voient et d'autres non. Mais dans les deux cas, lorsque l'on est handicapé, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et si on trouvait des solutions pour leur faciliter la vie à l'école? Ils devraient pouvoir passer en premier à la cantine, comme ça ils auraient plus de choix. Qu'ils puissent être dispensés de sport s'ils le souhaitent. Oh non, pas ça! On peut très bien faire du sport en étant handicapé. Il faudrait aussi des toilettes adaptées. Et que l'on escorte les personnes qui ne veulent plus être bousculées. Attention! Faites attention! Mademoiselle Agathe doit aller aux toilettes. Arthur! Agathe doit aller quelque part. Laissez-la passer. Ce n'est pas ça que j'imaginais. La honte. Ben moi, j'aime beaucoup. C'était qui? C'était Nadia avec Mathieu, son AVS. C'est quoi un AVS? C'est un nom de code? C'est un agent secret? Tu as trop d'imagination. C'est un auxiliaire de vie scolaire. Il accompagne Nadia pour les exercices qu'on fait en classe, par exemple. Il lui explique et l'aide. Nadia est autiste. C'est un handicap mental. Elle ne dit pas grand-chose et a du mal à parler avec les autres. Elle a un comportement bizarre des fois, mais c'est mon amie. D'ailleurs, elle m'a fait un super dessin. Oh, c'est elle qui a fait ça? Mais ça ressemble à une carte. Vous pensez que notre journée va faire changer les peurs qu'on a sur le handicap? En tout cas, d'avoir été immobilisée 5 semaines à cause de ma jambe m'a permis de ne plus voir les choses comme avant. J'espère. Que l'on soit handicapé de naissance ou qu'on le devienne après un accident, qu'il se voit ou non, on devrait apprendre à se connaître sans préjugés et s'entraider.